la dédicace à tous mes copains, à toutes mes copines, d'une seule origine qu'ils soient. En ce moment, je leur apporte la paix, l'amour et la joie. Alors écoutez ça avec attention. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, touche pas du tout à mon pote. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, sinon nous on te porte. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, touche pas du tout à mon pote. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, sinon nous on te porte. Ce type est un véritable chef des dangers publics. Et dans son genre en France, il est vraiment unique. La télé, les journaux, les radios ne parlent qu'un monsieur sans gêne. Envers les immigrés, il n'a que de la haine. S'il est élu président aux élections prochaines, si toute la France y régnerait un maître suprême, pour tout le monde, il deviendrait un grand problème. Il laisserait une dictature presque à l'itérien. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, touche pas du tout à mon pote. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, sinon nous on te porte. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, touche pas du tout à mon pote. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, sinon nous on te porte. Blanc et noir, vous ferez mener une vie de chaîne. Il ferait cela sans aucune honte ni aucune gêne. Pour comprendre cela, pas besoin d'être magicienne. On sauve un épice, on lui enlève ses mauvaises reines. Dans le monde actuel, il faut être très très malin pour pouvoir survivre et gagner son pain quotidien. Cela à cause de certaines personnes qui nous rendent la vie malsaine. Les voix ou les antennes me donnent de la migraine. Par les petits ou les grands moyens, faudrait donc qu'on les freine. En faisant très attention, m'a dit ma marraine. Et sans qu'on me dure, tu m'as conclu mon ami Irène. Car des gens de ces sortes n'en valent pas du tout la peine. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, touche pas du tout à mon pote. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, sinon nous on te bat. Mes potes à moi sont très forts, on a chez aussi peur. Certains viennent d'ici, d'au-delà et beaucoup d'ailleurs. Là-bas d'où l'on vient, ce qui compte juste avant l'heure. Plein d'or jaune dans son accueillir avec la même chaleur. C'est l'opposé de l'Occident où tout est trompeur. Seul dans la musique, le sport, on trouve le bonheur. Les Arabes dans le métro, on les traite de voleurs. Les Noirs dans la voiture, on les traite tous de frimeurs. Mais ce sont eux qui accomplissent toutes les sales labeurs. Monteurs sous d'or dans les usines, en ville sont éboueurs. Agents de propriété dans le métro, ils font sans fureur. Jour et nuit, ils travaillent sans relâcher, c'est tout sans peur. Hiver, été, qu'il pleuve ou pas, ils sont toujours à l'heure. C'est la faute aux immigrés, s'il y a une crise et tant de chômeurs. Quand j'entends des phrases de 16 ans, je dis qu'ils sont blagueurs. Ce n'est pas la peine d'en parler, sinon ça me change la tumeur. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, touche pas du tout à mon pote. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, sinon nous on te bat. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, touche pas du tout à mon pote. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, sinon nous on te bat. Plusieurs de nous sont nés, on grandit dans des HLM. Quand c'est pas la télé, on était branchés sur FM. On stackine tout le temps, mais dans le vent, on sème la couleur de la peau. Pour nous, c'est pas un problème. Qu'on vient du nord, du sud, de l'ouest, on est tous les mêmes. À l'école, on était tous notés au même banc. Mais dès qu'on quitte l'école, on est ségrégé par le système. Et pour cela, ils utilisent tous les stratagèmes. C'est ainsi qu'on se retrouve à écrire des poèmes. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, touche pas du tout à mon pote. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, sinon nous on te bat. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, touche pas du tout à mon pote. Touche pas mon pote, touche pas mon pote, sinon nous on te bat. Ce type est un véritable chef des dangers publics. Et dans son genre en France, il est vraiment unique. La télé, les journaux, le radio ne parlent que d'un monsieur sans gêne. Envers les immigrés, il n'a que de la haine. S'il est élu président aux élections prochaines, sur toute la France, il régnerait un maître suprême. Pour tout le monde, il deviendrait un grand problème. Blanc, il a vous faire